bienvenue tout le monde, c'est Wo, ici du clan Birdies et Phoenix pour une vidéo un peu spéciale. Et voilà, je voulais remercier MasterK. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui regarde plus de vidéos YouTube que moi. Et il a rassemblé toutes les informations qu'il a pu trouver sur les bases anti-3 HDV9 et les bons conseils qu'on peut donner. J'y ai rajouté ma petite sauce. Vous allez voir que c'est aussi à peu près un rafraîchissement de ce que j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Mais on va revoir tout ça en détail. Et la première chose que je veux dire, voilà, quand on a vu tous les changements qu'il y a eu, notamment au niveau des sorts noirs, l'ajout des sorts noirs, le buff du poison et maintenant le don sort noir, le HDV9 est un petit peu cassé, c'est devenu vraiment trop facile de raser un HDV9, même si on arrive encore à se faire, et on va encore tous se faire, mais en plus il y a encore 30 secondes en plus, mais voilà, bon. Première intro, donc voilà, des bases anti-3, vous en faites pas si vous faites quand même raser, parce que c'est quand même le but, au final, un HDV9 doit être capable aujourd'hui de raser n'importe quel HDV9, comme à l'époque pour les HDV8. Deuxième petit point d'intro, aucune base n'est vraiment parfaite, vous allez voir que quand vous allez privilégier une défense contre le Goro, ça va être très difficile après de se rendre compte qu'on défend bien en Golaloon. Il y a en plus tellement d'autres variantes avec les Valkyries et autres, donc le fait de renforcer une double bombe va probablement déforcer une défense anti-aérienne. Donc on fait au mieux, mais voilà, quelques petits conseils pour vous permettre de développer une base anti-3 vous-même. Faites un design asymétrique, hein, ça évitera évidemment aux attaquants qui ont vu avec un gros wipe 50% de la base de deviner où sont les pièges sur l'autre moitié de la base. Centrez toujours bien votre CDC, on va voir ça en direct aussi, on va parler des héros, des pièges, de tout ce qui est anti-air, des tours de sorcier et tout ce que j'appelle pointing defense, donc canon, TDR et arc-X. Voilà, le design asymétrique, j'ai déjà touché un mot là-dessus, c'est tout simplement évidemment le fait de pas avoir un design qui est vraiment trop pliable et qu'on peut découvrir avec une attaque scout de l'autre côté. En plus, ça va vous permettre de vous protéger contre les attaques de Pentalaloon. Hein, voyez ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur le Pentalaloon. Et puis alors, préférez aussi des designs très étendus, ça c'est très important. Étalez bien votre base, hein, ne concentrez pas vos troupes. Hein, ça permet, ça oblige évidemment les attaquants, les ballons et les cochons à parcourir beaucoup de chemin, à prendre plus de DPS sur le chemin qu'elles parcourent. Et évidemment, ça rend l'attaque plus difficile, plus lente. Ok. Voilà un petit peu le genre de design asymétrique qu'on peut trouver. Vous allez voir que j'ai beaucoup utilisé de slides de One Hive ici, évidemment le clan qui a la chaîne One Hive Red sur lequel je pompais toutes ces infos. Ok, donc voilà, par exemple ici ça c'est parfaitement un plan asymétrique, très étendu, il utilise quasiment toute la surface de la base. Ça c'est vraiment le genre de design anti-3 que vous devez chercher à développer vous-même. Ok, voilà, le château clan, c'est probablement la meilleure def, ou je devrais plutôt dire, c'était probablement la meilleure def que vous aviez dans Clash of Clans. En effet, maintenant, avec les deux sorts de poison qu'on peut amener avec soi, c'est devenu un petit peu difficile, mais continuez de le centrer, qu'on ne puisse pas le sortir sans casser une défense. Mettez des troupes dedans qui contiennent beaucoup de points de vie, je pense que tout le monde a compris. Golem, Molos, P.K., Dragon, Valkyrie... Et variez les contenus, ne mettez pas tous dragon ballon dans vos châteaux de clan. Ça devient beaucoup trop facile pour les attaquants de savoir exactement comment vous prendre. Surprenez-les, mettez parfois un full archer, mettez des archers, des ballons, des combinaisons avec des valkyries. Voilà, essayez d'un petit peu surprendre l'attaquant. Voilà, ici évidemment, position centrée du château de clan, il est impossible de le sortir sans casser une défense. Ok, le héros et particulièrement la reine qui est vraiment une très très grosse défense. C'est aussi mon héros préféré. Sans ma reine, je ne vaux plus rien en attaque. Voilà, c'est vraiment le héros le plus important parce qu'elle est très mobile, elle bouge vite, a un grand rayon d'action. Voilà, haute cadence de tir et en plus elle fait beaucoup de DPS. Elle vous dégomme des cochons, des sosos, des cochons, des ballons vraiment très 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 facilement. Donc il faut la protéger, mais il faut aussi pas trop la centrer. Si vous la centrez trop,
L'attaquant pourra évidemment choisir n'importe quel angle pour aller chercher la reine et l'attaquer avec sa partie hybride, la première partie de l'attaque hybride. Et donc il choisira le côté qu'il voudra, où il y aura plus de défense anti-aérienne, ou le côté où il y aura plus de double bombe possible. Donc décentrez là, c'est quand même mon conseil. Et alors ralentissez l'attaquant qui voudrait la prendre par ce côté-là, éventuellement avec des réserves, placez bien des murs, placez des bombes noires pour la protéger des attaques dragons. Éventuellement, vous pouvez placer une Tesla ou un piège à squelette. Mais alors là, il y a différents types d'écoles. Hein. On dit aussi ne mettez pas les pièges à squelette côté de la reine. Mais bon, on peut évidemment aussi, pour perturber un roi et le ralentir, lui mettre un petit piège à squelette dans les pattes. Vous pouvez aussi mettre le roi et d'autres vont dire non, mettez pas le roi à côté de la reine. Ça, voilà, il y a différentes écoles. Quoi qu'il arrive, essayez de centrer le roi parce que je pense que lui aussi, il peut très bien vous aider pour défendre contre les cochons. Voilà, ici, regardez la reine comme elle est décentrée parce que les bombes sont probablement dans cette partie-là. Vous voyez comme les défenses antillaires sont ici en bas. Donc une partie Goui qui attaquerait par là, il tuerait la reine très bien, mais il n'aurait pas cassé les bombes et il n'aurait pas cassé les antillaires. La partie Goui n'aurait servi à rien. Et le roi est bien centré aussi. Désolé si je vais un petit peu vite, j'essaie de garder la longueur de la vidéo assez courte. Voilà les pièges. N'oubliez pas les grosses bombes très importantes contre les cochons parce qu'elles font des dégâts qui sont doublés contre les cochons. Et placez-les par deux entre deux défenses, entre deux bâtiments. Une petite faute de frappe ici. Deux bâtiments neutres, on va voir ça encore en détail ici sur ce plan. Voilà. Regardez où sont mis les bombes entre les défenses. La double bombe entre deux défenses ici. Et entre des bâtiments neutres. Pourquoi? Pour que le chemin des cochons soit toujours d'amener le paquet de cochons par le grand côté de la double bombe pour faire péter les deux bombes en même temps. Et la somme des dégâts des doubles bombes en même temps fait que un cochon meurt instantanément. Voilà. Et pensez bien à votre passing. Regardez là, il est impossible que les cochons aillent par le côté, ils vont toujours suivre un autre chemin pour finalement quand même retomber sur la double bombe. Ensuite, les mines anti-aériennes. Voilà, les pièges rouges, placez-les plutôt loin des défenses anti-aériennes pour essayer de cibler les ballons qui vont suivre les molosses. Et par contre, les défenses anti-air, type tête chercheuse, là, les bombes noires, placez-les par deux du côté des antillaires les plus protégés afin de vraiment tuer les molosses qui viendraient se présenter sur ces antillaires. D'accord? Le but est de dégommer les molosses le plus vite possible pour que les ballons qui arrivent ensuite se fassent tuer les uns après les autres. Les pièges à ressort, souvent mal placés, n'oubliez pas qu'une troupe doit être arrêtée sur le piège à ressort pour que la troupe saute, hein, que ce soit un casse-brique ou une paire de cochons, et assurez-vous toujours que cela fonctionne dans les deux sens. Voilà, pas uniquement que la troupe s'arrête en passant par la gauche, mais aussi si elle vient de la droite, comme ça vous aurez un piège à ressort qui est le plus efficace possible. Ok. Les pièges à squelettes, voilà, et moi j'aime pas trop le placement de ce piège à squelette qu'il a trop tout en haut, qui est finalement trop proche du bord. On pourrait tenter, voilà, avec un cochon de le faire sauter sur une attaque clean-up. Essayez de les centrer, voilà, ça c'est mon conseil. En général aussi, j'y recommande les pièges à squelettes terrestres et les pièges à squelettes aériens. Pas trop d'intérêt. Et alors ça c'est mon utilisation préférée des mini-bombes, mais pour ça il faut évidemment qu'elles soient maxées, les mini-bombes à une case d'intervalle. Donc vous mettez une bombe, un vide, un mur dans le chemin des casse-briques, parce que ça tue des casse-briques. Et dans les attaques Goui, des attaques anti-3, on prend souvent trop peu de casse-briques et ça peut permettre de faire fail votre attaquant. Ok? Voilà les antillaires, très important, n'oubliez pas les archers qui sont en position solaire dans tous les cas de figure, notamment depuis l'introduction des molosses qui sont vraiment overpowered pour l'HDV9. Les antillaires, on l'a dit, opposées à la reine, assez bien centrées, pas trop proches les unes des autres, mais assez proches quand même pour se couvrir l'une l'autre. Et alors ça c'est un petit point important, éviter que le chemin soit trop direct pour les ballons vers les antillaires, hein, ou même pour les cochons. Obligez les ballons à zigzaguer entre les défenses avant d'arriver à l'antillaire, ça va vous faire gagner un temps précieux. Les souffleurs, vous allez voir, ils doivent se protéger l'un l'autre, ils doivent être loin de la reine et en même temps loin des antillaires. Ce qui n'est pas le cas ici sur ce plan, mais vous, comme je vous l'ai dit, toujours difficile d'avoir le plan parfait qui regroupe toutes les infos. Et on voit
très clairement la reine loin des antillères, les antillères qui se couvrent l'une l'autre et les souffleurs qui soufflent dans différentes, on le verra sur l'autre schéma, qui soufflent dans les directions opposées. Encore un dernier point aussi au niveau des antillères, placez vos tours de sorcier à une certaine distance des antillères. Pourquoi? Parce qu'une fois que le molosse va passer la tour de sorcier, ils vont se retourner, elles vont se retourner, les tours de sorcier, elles vont commencer à shooter dans les ballons. Et c'est ce qu'on veut évidemment, on veut dégommer les ballons le plus vite possible. Le molosse en lui-même n'est pas dangereux, ce sont les ballons qui tuent les défenses. Voilà. Voilà, on a parlé des souffleurs, hein, le tir c'est dans le désordre ici. Et alors voilà, au niveau du passing, au niveau du chemin pour les ballons, regardez ici comme c'est compliqué pour les ballons d'arriver sur ces antillères. Il y a des Tesla qui sont mis là en piège pour ralentir et pour faire très mal à tous ces dragons, ces ballons qui se présenteraient éventuellement. Tesla, probablement une des meilleures défenses. En plus, c'est un piège. Heureusement que voilà, sa distance de tir est assez courte parce qu'elle tire très très vite et elle fait vraiment très très mal. Donc, surprenez vos attaquants avec les Tesla, éventuellement placez-les à l'extérieur, placez-les pour protéger l'arène. Ou alors, ce qui se fait aussi de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les fermes de Tesla, 4 Tesla l'une à côté de l'autre. Je peux vous dire que quand un groupe de cochons arrive sur la ferme de Tesla, vous avez intérêt à avoir un bon soin et qu'il y ait suffisamment de cochons pour que les Tesla tombent rapidement parce que vos cochons vont souffrir. Idem pour les ballons, ils vont tomber très très vite les uns après les autres. Donc 4 Tesla regroupés sur un plan anti-3, ça se fait de plus en plus, ça fait très mal. Voilà, les tours de sorcier, probablement trop sous-estimés, hein, c'est très important de les maxer, notamment contre les foules sorcières. Tour de sorcier à maxer HDV9 kill les sorcières, les squelettes des sorcières, c'est pas le cas de la tour de sorcier du niveau juste en dessous. Voilà, bon à savoir. On a dit mettez loin des AA, proche des murs pour faire tuer les casse-briques, et aussi placez-les proche des défenses qui ont beaucoup de points de vie, comme les Arc-X éventuellement, hein, ça c'est le meilleur choix, parce que les cochons vont passer beaucoup de temps sur l'Arc-X et les tours de sorcier vont se donner un cœur joie de faire beaucoup de dégâts sur cette masse de cochons arrêtés sur l'Arc-X. Les canons, les tours d'archer, protégez vos bâtiments neutres, hein, ne donnez aucun bâtiment gratuitement, placez-les autour, créez voilà, des chemins complexes pour les ballons et les cochons avec, voilà, amenez les cochons vers les doubles bombes. Petite répétition de ce qu'on avait déjà vu par le passé. Voilà, les mortiers. Voilà, probablement la défense la moins utile aujourd'hui en guerre des clans. Répartissez les biens, c'est important pour notamment vous protéger des foules sorcières. Placez-les en dehors des murs, moi j'aime bien faire ça. C'est dangereux aussi pour contrer les foules sorcières, mais ça peut être intéressant d'en mettre quelques-uns en dehors des murs. Parce que justement, quand les golems seront contre les mortiers, ils iront commencer à taper sur les sorciers qui se trouvent derrière. Donc ça peut vous permettre de gagner un petit peu voilà, de kill de sorcier là-dessus. Et aussi, ça permet éventuellement de dérouter les ballons sur les attaques chirurgicales. Vous voyez ici, il sera probablement difficile d'aller targeter ces tours de sorcier-là et ces tours de sorcier-là directement. Les ballons iront directement sur les mortiers ici, qui voilà, perturberont évidemment le passage vers les antillères qui sont là sur le côté. Voilà, faites attention aussi, moi j'aime bien aussi, alors j'aurais peut-être pu mettre ça au début, au niveau de votre design de base anti-3, faites bien attention de créer suffisamment de compartiments au centre qui ne se relient pas trop facilement avec un double saut, parce que sinon, et j'ai pas la vidéo ici pour vous le montrer, mais Chronos ici va raser ce plan anti-3 avec simplement un double saut ici, il se prend même pas de casse-brique, il passe et il kill tous les antillères sur son chemin et il termine tout le reste en ballon ici. Donc voilà, méfiez-vous des plans avec un double. Avec des compartiments qui se relient trop facilement l'un avec l'autre. Moi j'aime bien avoir un carré central en plus, donc qui permet justement d'empêcher les doubles sauts. Ben voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette petite présentation. Hein, voilà, ça c'est le schéma où on voit les antillères qui s'en vont. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Repassez-vous là au ralenti, n'oubliez pas tous les petits détails. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. À bientôt tout le monde. N'oubliez pas, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao!